L'itinéraire de l'Odyssée nous conduit sur les lieux d'une impressionnante cité médiévale déjà millénaire. Grâce à ses remparts, la ville de Provins en Seine-et-Marne a longtemps rayonné dans toute l'Europe. Les remparts ont beaucoup et longtemps protégé les habitants. Il y a 1000 ans, la cité médiévale faisait la fierté des comtes de Champagne. Provins était alors, avec sa tour César, une place commerciale, prospère et un haut lieu du commerce en Europe. Cernée par une impressionnante muraille de 18 à 25 mètres de haut et qui ceinturait la ville sur 5 km linéaires, c'était le prototype même de ce que les ingénieurs du Moyen-Âge pouvaient réaliser de mieux et de plus performant à cette époque reculée de l'histoire. Ces solides remparts à la taille géante ont été édifiés entre le 11e et le 13e siècle. De ce mastodonte, il reste aujourd'hui 22 tours, 1200 mètres linéaires de remparts et deux portes d'entrée qui sont la porte de Jouy et la porte Saint-Jean. Étonnamment, à cette époque-là, Provins comptait plusieurs dizaines de milliers d'habitants contre 12 000 aujourd'hui et était réputé pour sa production de draperies, mais aussi pour ses métiers du cuir, du fer et de la coutellerie. Nous entrons maintenant dans un lieu d'exception. La visite de cette crypte mérovingienne nous ramène plus de 13 siècles en arrière au temps de Clovis, roi de France au 5e et 6e siècle, et nous fait vivre un voyage dans le temps, au temps de cette dynastie où les anciens prenaient le temps de travailler en se passionnant. Cette visite est une plongée en eau profonde des débuts du Moyen-Âge. L'excellent état de conservation des tombeaux est un récit qui embrasse l'histoire de l'art et celle des religions. C'était l'époque des Gaulois et c'était aussi l'époque de l'art antique, reconnaissable à ce style de chapiteaux et de colonnes et où aucune pièce sculptée n'est calibrée de la même façon. Le mausolée abrite aussi un Christ tétramorphe gisant sur son piédestal. D'un point de vue spirituel, le tétramorphe représente les quatre animaux ailés qui tirent le char de la vision d'Ézéchiel, un prophète qui date de l'Ancien Testament. Cette crypte est un trésor architectural et sculptural dont tous les éléments existants dans ses murs combine les influences des époques mérovingiennes et carolingiennes et par là même des origines européennes et méditerranéennes. Je vous laisse découvrir le patrimoine de l'Aisne, de l'Oise et de Pierrefonds dans la prochaine vidéo. Merci pour vos likes.